Panonica de Königswarter s'est éteinte il y a 30 ans. Mais elle exerce toujours sa fascination sur les musiciens de jazz aujourd'hui. Un soir, je n'étais pas encore sortie, on a sonné chez moi, je l'ai découvert là, devant ma porte, totalement immobile, battue par la pluie. Il avait des pantoufles aux pieds, tellement ils étaient gonflés. J'ai su qu'il ne devait même plus avoir la force d'une verrée en métro. Je n'ai pas pensé aux conséquences. Je ne pense pas.